Bonjour. Olivia. Lorraine, oui, c'est ça. Votre demi-sœur, vous connaissez donc je... Ah non. Ah, vous connaissez pas? Vous allez hériter de ce magnifique appartement. Je comprends pas, notre père nous refile un appart et vous en voulez pas? Moi, je veux habiter ici. Nous, ce qu'on veut, c'est on veut vendre, on est d'accord? Mais j'ai pas dit ça. On n'est pas d'accord. Pour le frigo, j'ai vu qu'il y avait 4 étages, donc on met nos noms dessus. On n'est pas au colo. Si on fait des règles, c'est pour y souscrire totalement, sinon dès demain, c'est... C'est Gaza. Oh non, pas déjà. Enfin, au bout d'un moment, on n'est pas au souk non plus. Pardon? Vous alimentez tellement de clichés, quoi. Et oh, madame, je marche sur l'eau et je fais jamais caca. Tu fermes ta gueule, ok? Sinon, elles sont comment, tes sœurs? Demi-sœurs. Il y en a une qui bosse dans la mode. Je vais essayer de rien dire sur la French manucure de la Feuge et le deuxième de la robe. Et l'autre qui bosse en zep. Interro surprise. La Bourge, elle est stylée. Elle s'habille, tu vois, comme ces nanas qui mettent des chaussettes avec des talons. En vrai, c'est moche, mais comme elle bosse dans la mode, bah c'est beau. On n'a rien en commun, elles vont vite s'en rendre compte. Tu sors? Ouais. Il est médecin, on s'est rencontrés le matin où j'ai fait ma coloscopie. Donc ça veut dire qu'il a déjà vu ton trou de balle? Ah non! Pour les mecs, on se tape qui on veut, mais dans nos chambres. Enfin, on n'est pas des animaux. Les hommes, c'est comme une théière. Petite tête, gros ventre et queue toujours en l'air. Maman! Il y a un problème avec l'appart? Je croyais qu'on avait rien à se dire, qu'on venait pas du même monde. On vient toujours pas du même monde, mais ça n'empêche pas qu'on peut se battre ensemble. Moi, parfois, je me demande qu'est-ce que ferait Rihanna à ma place. Qu'est-ce qu'il y a? T'as mal au ventre? C'est que le ventre est nouveau cerveau. Mais ferme ta gueule, j'ai juste mes règles. Tu sais combien ça coûte des Manolo ou pas? Bah tu vois, ces filles, c'est la seule famille que j'ai. Bah ça va, t'en as traité une d'extrémiste et l'autre de pouf tout à l'heure, c'est bon. Bah oui, mais ça c'est pas raciste. Bah c'est raciste. Non, c'est pas raciste. Ça n'a rien à voir avec la race. Voilà. Bah la race des poufs.